Hello everybody, this is my friend and he will introduce himself. He is part of the training J'ose parler anglais. Up to you. Thank you, Derek. Hello, I'm Romain. I'm 40 years old. I live in Lyon and I'm very happy to recite. Yeah, or to meet. To meet Derek today in my house. Yep. That's right. Excellent. Thank you for the coffee. It was delicious. It was a pleasure for us. Yeah, excellent. Alors, comme il vient de dire, Romain m'accueille dans sa maison. Je suis super content de rencontrer des gens en fait, de la formation J'ose parler. Et j'ai trois petites questions pour Romain. La première, c'est qu'est-ce que tu retiens en fait, de cette formation J'ose parler anglais? Alors, la première chose, la qualité principale de la formation, c'est qu'elle est. Alors, j'ai fait plusieurs formations d'anglais, et notamment, ce que je retiens, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est le côté ludique et fun que j'ai trouvé dans cette formation, et notamment lors du webinaire et des échanges qu'on a pu avoir. Donc, l'interaction, effectivement, les vidéos qui sont assez courtes en réalité, mais qui vont à l'essentiel. Qui permettent en réalité une prise en main rapide de la formation. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Même si au départ j'avais un petit peu de retenue sur les vidéos, au contraire en fait, en ayant approfondi la formation, je me suis rendu compte effectivement, comme je le disais, qu'on va à l'essentiel, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla pour rien, on avance, on progresse, parce que du coup j'ai réussi à progresser sur pas mal de choses alors que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, notamment les gaps fillers. Oui, excellent, gaps fillers. Qui sont en fait hyper utiles, et c'est un tips qui est d'une simplicité étonnante, mais qui marche à tous les coups. Et puis on s'approprie facilement la formation et c'est un réel plus. Excellent, merci. Donc tu parlais de ta progression, donc tu dis gap fillers, ça t'a pas mal aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu vois au niveau vocabulaire ou au niveau phrase, je sais pas, en anglais, où tu as pu progresser, les résultats? Les résultats pour le moment, je ne les ai pas encore mis en. Enfin, je n'ai pas réellement eu l'occasion de mettre en pratique ce que j'avais étudié avec ta formation. Le son TH qui. Oui. Malgré tout, comme tu le précises bien, est un grand handicap pour nous, qui mérite un peu de job et qui, du coup, il m'a expliqué aussi, qui permet d'avancer. Et les temps, parce qu'on avait échangé avec Derek sur une de mes lacunes en anglais, qui sont les temps, sur lesquels je travaille là, et qui, suite à notre échange, parce que du coup, Derek est très, très, très disponible, donc on a échangé par WhatsApp. Et du coup, j'ai eu un petit coaching rapide sur WhatsApp qui m'a permis d'avancer un peu aussi sur les temps d'anglais. Donc voilà, c'est un peu les deux axes sur lesquels j'ai pu avancer. Alors, encore une fois, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Ouais, on est en pleine période de fête aussi, enfin fin de fête actuellement. Donc c'est vrai. Les dispos sont pas toujours au top, mais bon. Voilà. C'est sûr. Excellent, merci. Et dernière question, en quoi est-ce que tu encouragerais les gens à rejoindre la formation? J'ose parler anglais, parce que toi tu en as besoin pour ton métier, c'est ça, en particulier avec TNT, qui ah, est par FedEx, etc. Alors comme je le disais au tout début, hein, je vais pas être très... Mais parce qu'en fait, voilà, moi je conseillerais la formation pour quelqu'un qui a besoin de parler, d'acquérir une aisance qui n'est pas toujours accessible ou facilement accessible par d'autres formations. L'idée c'est d'aller à l'essentiel, c'est pas de, comme je disais, pas de s'étendre trop longtemps. Et voilà, en fait, hein, une réelle utilité dans le sens où on acquiert facilement des bases solides qui vont permettre ensuite d'avancer. Et surtout, avec la formation, on arrive à passer facilement le cap de la discussion et de l'interaction. Parce que comme je vous disais, Derek est très disponible. Sur notre échange WhatsApp, c'est fait par téléphone, pas par message, par téléphone. Qu'en anglais, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas de français. Très peu. On échange encore beaucoup par WhatsApp avec Derek, c'est qu'en anglais. Ça permet aussi voilà, de travailler des choses toutes bêtes. Derek en plus corrige assez facilement les petites erreurs qu'on peut faire. Et voilà, donc moi c'est la. J'ai fait du e-learning par téléphone avec une prof américaine. Et j'ai pas eu le même contact avec Derek. En plus Derek, comme je te disais tout à l'heure, moi je sais pas, il y a un feeling qui passe, qui n'est pas passé avec d'autres. Il est cool, il est jeune, il est authentique, il est vif, il est donc en fait voilà l'échange est possible
Et du coup, c'est plus facile. Et voilà, j'arrive plus facilement à parler avec Derek qu'avec d'autres, par exemple, que j'ai pu avoir. J'ai du face-to-face aussi. Avec un prof, c'était pas, voilà, il n'y avait pas le même. Et là, je fais cette vidéo, c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo. C'est parce qu'il est là, et ouais, c'est parce que c'est Derek, je pense que sinon je l'aurais pas fait. Excellent, mais c'est très gentil, ouais. Merci beaucoup. Et en plus, on est en train de parler de voyage un peu plus tôt en Écosse, et peut-être avec sa famille, ils partiront, et j'ai donné des contacts, des conseils. Et ouais, c'est ça fait aussi partie de la formation J'ose parler, quand anglais, des gens veulent partir à l'étranger, au Royaume-Uni, aux États-Unis. C'est vrai que, bon, ils ont des contacts au Canada, mais ça aide en fait aussi de connaître quelqu'un qui peut aussi dire bah, va là, c'est bien, va pas là, c'est trop cher. Prendre telle et telle option, c'est mieux. Donc ça fait partie aussi des conseils et des options avec J'ose parler. Et dernière chose, je pense que vous pouvez prendre beaucoup de formations qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, Derek est chez moi, à Lyon. Il habite dans le nord de la France. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formateurs, de coachs, d'enseignants qui se déplacent comme ça et qui acceptent. On ne se connaissait pas avant. C'est ça, hein. Sur le téléphone, il n'y a pas 3 semaines. Voilà, donc il est là. Donc preuve qu'il est accessible. Excellent. Merci beaucoup Romain. Je t'en prie d'ailleurs. Et merci pour l'invitation, le super bon café, c'était super sympa. Merci. Et toute personne qui souhaiterait rejoindre J'ose parler anglais, n'hésitez pas à passer par moi, me contacter. Et je vous ferai un plaisir de vous expliquer comment ça se passe, comment ça marche et comment est le suivi. Talk to you later. See you soon. See you soon. Bye bye. Bye.